Attendez, je regarde quand même mes commentaires. Ok, bon, lui c'est mort. On va lancer le Mental Master, on verra après. Ah, et mon Mental Master, franchement, je le sens très mal, hein, parce qu'il m'a l'air quand même assez dur. Enfin, de toute façon, on verra hein, comment ça se déroulera. Alors. Ah d'accord, ça commence direct, hein. Bien sûr, hein, les jeux qui n'ont pas d'options. Ça me fera toujours autant halluciner. Donc ensuite tu auras Thunder Force 3. Ah ben voilà, Thunder Force 3, bientôt. Moi, je suis méchant. Alors, je dois choisir entre 4 stages. Je connais pas le jeu, je vais faire le premier. Alors. Ah putain, et en plus, c'est un jeu où il faut spammer la touche. Oh là là, ça va être chiant. Ouais, je me suis déjà fait toucher une fois. Je sens très très mal ce jeu. Les Jojos, ah, c'est possible! Ah oui, effectivement, Jojo, ça me parle. Je ne peux tirer qu'en haut et en bas. Si vous me posez la question, je me suis fait toucher, je crois. Et je me suis fait toucher, je crois que je vais bientôt mourir. Je sens que je vais mourir très facilement sur ce jeu. En tout cas, c'est assez original. Même si je préfère quand même Twinkle Tail. Les deux se ressemblent. Enfin, je dis c'est original et il ressemble à Twinkle Tail. C'est un peu une contradiction. Mais on va dire que les deux sont très originaux. Pour l'instant ça se passe bien même si franchement j'ai un peu de mal quand même. Je suis un peu gêné par les décors, je trouve que ils auraient pas dû faire autant de blocs où on peut pas aller. Ah merde, je me suis fait toucher deux fois. Ah, je suis bientôt mort. Ah, j'ai deux points de vie, ça... Je vais pas faire long feu. Voilà, je me suis touché une fois. Et je suis mort. Ah merde, je me trompe de touche. Non, celui-là, je le sens mal. Autant j'ai fini Twinkle Tail tout à l'heure, j'ai fini Zero Wing. Je suis super content, autant là, je le sens pas du tout. Gameplay assez bizarre comme ça. Je le sens très mal. J'ai fini Glaylancer aussi. Mais... Glaylancer, c'est un jeu que j'avais déjà terminé. C'est pas aussi glorifiant que de finir un jeu auquel on n'a jamais joué avant. Ah putain, je me suis fait toucher. Ah putain. Ah c'est pas facile celui-là. Je verrai de toute façon après si je fais le stage. Je sais pas s'il y a des vies, s'il y a des continues. Je sais pas comment ça se déroule. On va bien voir. Hein. J'ai gagné un point supplémentaire. Je me suis fait toucher.
Il m'a l'air quand même assez dur hein, comme jeu. D'accord, sans faire exprès, je suis allé sur la lave. Bon, pas super comme jeu, hein. Mais bon, tant pis. Oh putain, je suis allé sur la lave, quand même. Eh merde, je suis re-allé sur la lave. Oh là là là. Ça démarre très mal. Ah, bien sûr, ça fait comme tout à l'heure. Voilà. On va changer de stage parce que celui-là je le sens pas du tout. Alors, c'est celui-là. Lulz l'effet. Je sais pas si vous avez vu. Eh merde, je me suis touché. Oh, c'est quoi là? Ah, il y a du vent, d'accord. Merde, je me trompe de touche. Ah merde, on peut pas faire pause. Attends, et si on peut faire pause une seconde? D'accord. Au moins c'est mort pour Psychomantis aussi. Ah putain, je me fais enchaîner. Il y a aussi un truc qui... aussi un truc qui m'insupporte, c'est quand tu te fais toucher et que juste après que tu te refais toucher, ça te compte comme si tu te faisais toucher. À mon avis, je vais pas jouer longtemps à celui-là. Si c'est pour mourir à volonté comme ça... Non, moi, je suis pas fan. Plus j'ai mal aux doigts, donc... À mon avis, on va bientôt passer à Thunder Force 3. Avec Thunder Force 3, j'ai jamais joué en plus. C'est abusé. Le 4, j'ai beaucoup aimé, mais le 3, j'ai jamais joué, donc... Et pourtant c'est un jeu que je voulais jouer mais... En fait à la base je voulais y jouer quand j'avais la cartouche sauf que je l'ai pas encore. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Twinkle Tail, ouais si Twinkle Tail est mieux que ce jeu. Et de loin. Merde, je me suis fait toucher. Ah, je me suis fait poutrer, mais j'ai quand même fini deux shoots, hein, tout à l'heure. Twinkle Tail et Zero Wing, que j'avais jamais fini. Putain de merde. Et Mental, c'est peut-être un classique, mais en tout cas, il est super dur. Oh. Oh putain. C'est assez chiant pour tirer en fait.
J'aime pas trop le fait de tirer comme ça. Merde. Non, je me suis pas fait toucher. D'accord, on peut leur tirer dessus que quand ils ouvrent leur bouche. Oh, c'est assez facile comme boss. Je sais pas si c'est un boss, un demi-boss, on verra bien. Wow, you saved my life, thank you. Who are you? I am a fairy. Ah, cool. Hey, ouais. Ah. Le niveau 2. Mais c'était pas le niveau 2, ça? C'est pas le niveau 2 que je viens juste de faire? Non, putain, c'est vrai qu'elle a l'air d'être assez utile. Merde, attends, je me trompe de touche. Ah voilà, c'est ça. D'accord. Je fais absolument n'importe quoi. D'accord, je sais pas pourquoi je me suis fait tuer. Alors. Ah, c'est vrai que ça, c'est plus utile, hein. Ça change tout de suite. Par contre, on a continué à finir ou quoi? Parce que ça, j'ai pas compris. Ah putain! Je me fais enchaîner. Attendez. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah putain. Ah, c'est horrible, le bouton pause, il est à 3 km des autres boutons. Voilà. Là, on dirait les anneaux de Gradius. Ah, je crois que je me suis fait toucher. Merde, parce que non, tant pis. Je voulais récupérer la vie, mais là, c'est trop tard. C'est pas un risque inutile. Ah merde, je me suis touché. Attendez, hop. Voilà. Je suis désolé si je m'y pose comme ça, mais... Je préfère être dans la meilleure position possible. Ouf. What? D'accord. Ah mais en plus on a des crédits, merde. Bon ben je suis dans la merde. Bah c'était violent. J'ai rien vu venir.
Quoi? Où elle est passée ma vie? C'est quoi cette arnaque? Où est-ce qu'elle est passée ma vie? J'ai perdu tous mes bébés, je sais pas comment. D'accord. Bon mais je suis dans la merde. Hein. Surtout que j'ai plus de continu donc je crois il me reste plein. Voilà, je suis mort, hein, game over. Je ne sais pas. Voilà, game over. Eh ben c'est joyeux tout ça. Bon ben on va se refaire le deuxième. Je retente un coup. Hein. Et puis après si je... Si j'y arrive plus après, bon tant pis. Hein. Merde, je me suis fait toucher. Bon, le premier boss est assez facile. Donc, ça va. C'est par la suite que ça se complique un peu. Je sais pas ce qu'il en est du stage 4. Faudrait que je le teste au moins. Je me suis fait toucher par... D'accord, je sais pas toucher un ennemi à l'arrière. À mon avis, c'est un jeu, il faut y passer beaucoup de temps dessus. Un petit peu comme ce que j'ai fait sur Zero Wing, donc faut bien le doser quoi. C'est comme Thunder Force 4 et tout ça. Ouais bon, je retire ce que je dis, il est pas si mauvais que ça, mais... Enfin, pas, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est moins intéressant, tu vois, que par exemple Twinkle Tail. Où là, au moins, je m'amuse. Alors que là, j'ai un peu plus de mal à m'amuser. Après je peux comprendre qu'on puisse s'amuser sur ce jeu, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que c'est pas trop mon trip. Qu'est-ce que je fais? Ah, le level design est assez chiant quand même. Après c'est le jeu qui veut ça. Hein. Je vais me faire toucher. En tout cas, il fait pitié ce boss. Ah merde, je me suis fait toucher une fois. Hop. Et j'ai envie de tenter le quatrième. Tant pis si je meurs. Le troisième m'a l'air quand même assez chiant. Cette flaque violette. Putain, je suis bloqué. D'accord, je me suis touché, je me suis fait refait toucher. Oula, ma barre de vie est bien descendue. Je fasse attention. Oh là là là. Ah, il est pas facile hein, ce jeu. Thank you.
Oh. D'accord, il me reste plus que 2 points de vie. J'utilise Fabulous. Attendez, ça me gratte. Ah putain, je vais me faire tuer. Prochain coup, je meurs. Ah, 2 points de vie, ça fait plaisir. Oula. Bah, je récupère de la vie, mais rarement. Ah mais on peut charger son arme. D'accord. Je sens le piège à con. Bon. Je savais pas qu'on pouvait charger son arme. Bon, on va refaire le 3. Oh putain, ma barre de vie qui est drainée comme ça. Abusé ça. Ah d'accord. Putain non mais c'est relou. Chaud cacao. Chaud chocolat. Allez. Quoi, j'ai que ça de vie? Attends, c'est quoi cette arnaque? Le truc, c'est qu'on sait jamais quand on se fait toucher. Donc on sait jamais combien on a de barres de vie. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si on regarde pas sa barre de vie, on peut pas deviner combien on a de barres de vie. C'est du genre... ok, reste 1 point de vie, ok. Ça peut s'abuser. Genre je me suis fait toucher. Je sais pas par quoi. Ah de la vie, de la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais c'est... comment tu veux esquiver ça? C'est n'importe quoi. Allez, 3 crédits encore, putain. Allez, on va retenter. Putain, je me trompe de bouton. Qu'est-ce que c'est chiant. D'accord, je me trompe totalement de bouton. Que je retrouve le bouton, j'ai perdu toute ma vie. Putain. Ah, il est relou ce jeu.
Bon, au moins, je sais que je vais pas le finir, donc. Donc voilà. Merde. Oh là là, je me suis refait toucher, je crois. Ah, c'est chiant. Ah bah attends, c'est la boss là, non? Merde. Bon, ça va, il est pas trop dur. Faut qu'on a le pattern. C'est bon. Alors, j'ai envie de rester le premier. Ça a l'air d'être de la belle merde, ça. Je vais reprendre ça. Oh, déjà, quoi. Tiens, déjà 2 points de vie en moins. What? La musique est pas mal par contre. La musique de ce stage est pas mal. Voilà, je suis bientôt mort. Quels étaient les 4 premiers jeux joués, tu veux dire? Alors, il y a eu Gaia Res, Twinkle Tail, Zero Wing et Glay Lancer. Je les ai tous finis sauf Gaia Res. Gaia Res, j'ai abandonné. Oh là là, qu'est-ce qui m'a saoulé ce jeu. Je mourais toujours au même endroit en boucle. J'en avais marre. Merde, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de bouton. Ouais, c'est... Voilà. Et Twinkle Tail, comme j'ai dit, je l'ai fini. Je suis super content parce que c'est la première fois que je joue à ce jeu. Et j'ai fini Zero Wing aussi. Vraiment très content. Putain. Trop de touches, c'est bon. Aero Fighter? Je connais pas. C'est sur quelle console? Putain, je récupère de la vie et j'en repère derrière. C'est fabuleux ça.
Mega Drive. Je l'ai peut-être testé alors, parce que j'ai testé la quasi-totalité des shoot'em up de la console sur Mega Drive. Donc il y a de fortes chances pour que je l'ai déjà testé. Vu que je m'étais fait la liste avec shmup.com, j'avais fait la liste de tous les shoot'em up et j'en avais testé les trois quarts. Mais notamment j'avais testé Divine Ceiling. Je pense que tu dois connaître Divine Ceiling. Merde. Une belle dope Divine Ceiling. J'avais presque envie de le mettre en proposition, mais bon, il aurait fallu que je censure. Il aurait fallu que je censure la partie intéressante du jeu. Donc. Au final, ça servait pas à grand chose. Ah, je m'en sors bien, attendez. Je m'en sors pas mal là. Alors je sais pas combien il y a de gens sur le chat en ce moment. Merde. Comme un con je vais sur... Aero Blaster ça me dit quelque chose. Aero Blaster, ça me dit quelque chose, j'ai dû le tester. Ah, oh, fiche. D'accord. Ah merde, j'avais trouvé le pattern. Bon ben voilà, game over. J'y arriverai pas de façon. C'est clair et net que ce jeu est vraiment très 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 dur. Je sais pas combien il y a de stages en tout dans ce jeu. Je pense pas qu'il y en ait que 4. Quoique. Je sais pas en fait. Il y a combien de stages dans ce jeu ? Il doit y avoir 8, non, un truc comme ça. Vous savez pas? Non, oui, non. Bon, en tout cas, je vais lancer Thunder Force 3. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà, à tout de suite.